Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, vous voyez, je suis en plein tournage. Enfin, j'essaie de préparer une vidéo. J'étais à la recherche d'un lieu abandonné en pleine forêt. Donc, j'ai dû envoyer le drone, tout ça, pour essayer de repérer parce que la végétation a vachement poussé. Mais je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Ça sera pour un tournage dans quelques temps. Je suis obligé d'anticiper pas mal de choses parce que c'est tous des trucs que vous voyez pas. J'essaye de sortir une vidéo chaque semaine, mais franchement, c'est pas évident. C'est assez compliqué pour moi parce qu'avec le travail, la vie de famille, c'est très compliqué. Mais bon, voyez, là, j'ai envoyé le drone pour essayer de chercher dans la forêt. Et j'ai enfin trouvé ce lieu. Il ne me reste plus qu'à trouver la date de l'abandon du lieu, ce qui n'est pas évident. Parce que j'ai encore cherché une bonne partie du matin sur internet, j'ai rien trouvé de spécial. Rien du tout, quoi. En gros. C'est un lieu fantôme, entre guillemets, mais je sais c'était quoi avant le bâtiment. Ça, par contre, je le sais. J'ai même une photo de l'époque. Mais voilà, tout ça pour vous dire que à partir de cette semaine, je mettrai plus de vidéos pour le moment. Je vais prendre un petit peu de temps pour moi, un petit peu de temps avant de partir en vacances. J'ai pas mal de préparations, j'ai pas mal de petites choses à faire, surtout pour le van, parce que j'aimerais me faire un road trip si j'y arrive en Pologne. Mais là, pour le moment, je vous le cache pas, c'est que avec le van, j'ai énormément de problèmes mécaniques depuis le mois de juin, encore hier soir. Donc pour le moment, c'est beaucoup de soucis. J'espère que j'arriverai à réaliser ce road trip. Vous devez savoir pourquoi je veux aller en Pologne. Hein. J'ai besoin d'aller voir un lieu de mémoire. Question de me recueillir, entre guillemets. Et puis, donc voilà, je vous annonce que pendant, je ne sais pas combien de temps, peut-être un mois, je ne vais pas faire de vidéo. Enfin, si, je vais en tourner pendant ce temps-là, quoi. Mais voilà, j'ai besoin de temps un petit peu pour moi, là, pour vraiment préparer le van et être sûr qu'il va tenir le coup, parce que j'ai plus de, pour l'aller, j'ai déjà plus de presque 1400 km pour y aller. Et franchement, là, je suis pas rassuré du tout avec tout ce qui m'arrive sur la gueule. Donc voilà. Et puis, donc je vous souhaite de bonnes vacances, même si moi je n'y suis toujours pas. Moi, j'y serai encore dans 4 semaines. J'ai encore 4 semaines de travail et après, j'ai 3 semaines de vacances. Donc je sais pas si je vais reprendre les vidéos début août ou mi-août, parce que dans la période là, normalement, je devrais être parti. Normalement. Et puis ben voilà. Donc ma foi, pour ceux qui sont déjà en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Pour ceux qui n'y sont pas, je vous souhaite de bonnes vacances quand vous y serez. Moi, je vous préviens, dès que je commence à remettre les vidéos en ligne, hein, je vais faire des tournages quand même entre temps. Ben, comme là j'ai commencé, mais c'est pas aujourd'hui que je vais tourner, là j'étais à la recherche du lieu. Parce que tout ça, c'est tous des coins, toutes des choses en fait que vous ne savez pas. C'est que pour faire une vidéo, même pour chaque semaine, c'est des fois je trouve le lieu du premier coup, il y a des fois il faut que je fasse des recherches. J'ai beaucoup de choses. Enfin, une vidéo se fait pas en. Non. Et après, faut pas oublier qu'il y a le montage et tout le bazar. Ça prend du temps aussi. Quand vous êtes fatigué, moi je fais tout mon montage sur téléphone. L'écran, ben, vous voyez plus vraiment ce que vous faites. Donc voilà. J'ai décidé de prendre un petit peu de recul, de prendre un petit peu plus de temps pour moi, surtout de me reposer parce que je suis HS, mais complètement HS. Regardez, hier, on a fêté les 20 ans d'Aurélien. On était dans un restaurant assez atypique. Hein. C'était un ancien. Le lieu, c'était un ancien urbex. Et puis donc, voilà, j'ai voulu marquer le coup pour ces 20 ans. On a été manger dans un lieu qui était un ancien urbex et puis qui maintenant est devenu un lieu où il y a des escape games et puis restauration également. Et puis ben pour finir le restaurant, j'ai terminé sous le van en train de faire la mécanique. Donc voilà, je suis rentré, il était assez tard, mais bon, le principal c'est qu'on a passé un bon moment. Et puis donc voilà. Tout ce petit message là, cette petite vidéo, très mini, hein, c'est pour vous dire, voilà, je prends un petit peu de temps pour moi et on reprend dès que
ça va mieux là-dedans. Parce que là, pour le moment, je suis mal barré pour faire 1400 km aller-retour avec le van. Très, très inquiet. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est financier, c'est beaucoup de sous. Mais ça, c'est pour moi. Ce n'est pas l'argent qu'il y a sur la cagnotte Litchi. L'argent qui est sur la cagnotte Litchi, que beaucoup m'ont déjà donné, c'est pour vraiment acheter du matériel, comme j'ai déjà commencé à acheter, pour les vidéos. Ça n'a rien à voir avec tout ce bazar. Donc, ma foi, je vous souhaite de bonnes vacances. Allez, bye bye.